On veut aussi vous demander, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement pour participer à la location de cette salle qui est importante pour notre histoire, mais qui a été récupérée par des sociétés d'événementiel et qui coûte fort cher. Donc n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi, hommage à Alain. Donc vous pouvez la trouver, vous pouvez financer, participer en tout cas, pardon, au financement de cette soirée. Merci à toutes et tous. On veut aussi vous demander, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement pour participer à la location de cette salle qui est importante pour notre histoire, mais qui a été récupérée par des sociétés d'événementiel et qui coûte fort cher. Donc n'hésitez pas, on a créé une cagnotte Litchi, hommage à Alain. Donc vous pouvez la trouver, vous pouvez financer, participer en tout cas, pardon, au financement de cette soirée. Merci à toutes et tous. Donc on va tout de suite enchaîner sur le thème de la transmission, toujours avec des membres des éminents membres de la direction nationale du nouveau parti anticapitaliste, Basile et Sandra. Donc en fait, sans le savoir, c'est Alain qui m'a fait adhérer à la LCR en 99. À cette époque, je vaquais entre mes camarades de la... Enfin, mes copines et mes copains de la LCR, étudiantes et étudiants, tous à la tendance révolution, et aussi à des rencarts cafés avec Lutte ouvrière, mais aussi des rencontres avec des syndicalistes de Sud en particulier, et je pense à Philippe ou à Hélène. Et un jour, mes camarades de la LCR m'ont dit, bah, viens, il y a un meeting au Zénith, c'est le dernier meeting de la campagne des européennes, et comme ça au moins tu te feras une idée et tu décideras ou pas d'adhérer à la LCR ou ailleurs. Et clairement, le discours d'Alain, son humour et tout ce qu'il a porté pendant ce meeting m'a convaincue d'adhérer à la LCR juste après, et plus que jamais aujourd'hui, je ne regrette en aucun cas ce choix d'organisation. Donc Alain, c'était aussi pour nous, quelques années plus tard, évidemment, ça a été dit, la transmission. Il a fait partie de ceux et celles qui ont décidé, à un certain moment, de quitter leurs responsabilités politiques, et donc nous ont fait confiance, alors peut-être à tort, diront certains, pour partir du bureau politique et nous dire qu'il fallait que désormais que le bureau politique soit rajeuni et féminisé. Donc on est rentré un certain nombre en 2006, à cette époque, au bureau politique, pour de nouvelles aventures. Alors bon, rassurez-vous, Alain n'était jamais très loin, puisqu'il avait gardé quand même son bureau rue de Montreuil, et il répondait régulièrement à nos sollicitations quand on lui demandait son avis. Et pour tout vous dire, même quand on ne lui demandait pas son avis, il nous le donnait. Alors il nous a fait confiance, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il nous a transmis sans doute l'une des choses les plus fondamentales, c'est de croire en une organisation politique révolutionnaire, en croire qu'on pouvait changer le monde, même si nous-mêmes, nous n'avions pas vécu ce que cette génération-là et qu'un certain nombre de camarades qui sont venus témoigner aujourd'hui ont vécu, que tout est fait et qu'on fera tout pour changer le monde. Et de ça, cette transmission-là, on l'a gardée, on le garde et on le gardera. Et pour tout ça, merci Alain. Bonsoir tout le monde. Bon, il reste encore un peu de monde. Alain aurait dit c'est un peu long. Hein. Le connaissant, c'était, il aurait dit là, ça, faut se dépêcher. Vous avez vu depuis le début tous les témoignages sur la vie d'Alain. C'est pas simplement la vie d'Alain, c'est aussi celle d'une génération qui s'est forgée pendant la guerre d'Algérie, qui s'est forgée avec mai 68, la plus grande lutte de classe en France de son histoire, la plus grande grève générale, qui s'est formé dans les années 70, qui a connu la révolution au Portugal, jusqu'à celle, la queue de la comète, on va dire, du Nicaragua en 79, et qui porte donc une expérience que nous, malheureusement, nous ne connaissons pas, et que nous n'avons pas encore connue, ça va venir, vous inquiétez pas,
mais il y a cette légitimité qui fait que Alain, par exemple, aurait pu rapidement, quand on discutait avec lui et qu'on était en désaccord, faire péter les galons. Jamais il a conclu une discussion en disant « Écoutez, avec tout ce que j'ai fait et vous à votre petit niveau, fermez-la, c'est moi qui ai raison. » Alain avait cette capacité d'écouter ce que les gens disaient et de se faire un avis après. C'est-à-dire qu'il passait beaucoup de temps à sonder, à passer des coups de fil, de prendre des coups de fil au téléphone, etc., d'appeler les uns et les autres pour avoir une idée sur la situation. Je vais vous donner quelques exemples parce que c'est plus parlant. Je suis parti au Mexique en février 1994 et je suis parti quelques mois. Quand je suis revenu, j'étais plus apatiste que les apatistes eux-mêmes. Et Alain a su que j'étais parti là-bas. Il m'a demandé de passer le voir à Montreuil. Et on a passé 2-3 heures à discuter du Mexique. Il s'avérait qu'il connaissait un petit peu la situation quand même. Et il était curieux de savoir ce que les apatistes proposaient, ce qu'il y avait de nouveau, ce qui pouvait m'enthousiasmer, parce que j'étais vraiment à fond dans cette histoire d'armées apatistes, de libération nationale, de ce qui se passait au Chiapas. Et il avait toujours cette idée de poser des questions, d'essayer de savoir un peu ce qui se passait. Je suis rentré à la SNCF quelques années plus tard et il continuait à demander un petit peu des nouvelles pour les grèves, des fois parce qu'il prenait le train, donc il voulait savoir avant s'il pouvait aller à la gare ou si ça, voilà, ça je savais. Je savais quand il prenait le train, il me prévenait. Mais il était friand, par exemple, de tout ce qui fait la vie quotidienne au travail, les discussions qu'on pouvait avoir entre les collègues, de ce qui faisait débat, pas débat, de comment ça se passait, quelles étaient les nouvelles lignes de management, parce qu'on a droit à toutes les conneries de ressources humaines qu'on nous invente tous les quatre matins. Et il posait des questions comme ça tout le temps. Donc ça, c'était Alain, c'est-à-dire qu'il savait s'intéresser à ce qui se passait autour de lui et à nous. Malgré la différence d'âge, malgré la différence d'expérience, il ne nous a jamais pris de haut et a toujours pris les choses avec égalité. Et il avait à cœur de maintenir une organisation révolutionnaire dans une situation plus compliquée, certainement, avec une nouvelle génération. Et cette idée de transmettre, de passer le relais, était présente, ce qui ne voulait pas dire s'effacer. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on y arrive? On est dans des situations bien différentes par rapport à celles d'il y a 40 ou 50 ans. Mais nous pouvons dire ici que nous assumons à 100% la continuité du combat d'Alain Krivine, celle qu'il a animée toute sa vie, l'engagement d'une vie pour la Révolution, qui est aussi notre engagement. Et pour ça, merci Alain. Alors, on va maintenant passer la parole à Michel Verdier de l'Étincelle, qui va se présenter. Oui, bonsoir camarades, toutes et tous. Bon, la mort d'Alain Krivine a fortement ému les camarades de la fraction L'Étincelle et membres du NPA, au nom desquels je vais vous dire quelques mots, en répétant beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais excusez-moi, comme on arrive un peu, voilà, en fin de parcours. Alors, les plus jeunes, évidemment, ne le connaissaient pas personnellement, mais ils savaient son rôle et sa place dans le mouvement trotskiste, à ne rien lâcher, de ses convictions et de ses combats. Les plus anciens, dont Bernard Flores, qui n'a malheureusement pas pu se déplacer aujourd'hui, quelques autres et moi, nous comptons 60 ans de relations politiques communes au sein du mouvement trotskiste, de relations fraternelles. Je n'étais pas une proche d'Alain sur un plan personnel, mais la proximité, elle était autre, liée à nos mêmes choix révolutionnaires depuis le début des années 60. Nous n'étions d'ailleurs pas, ça a été dit avant moi, des 68ards, mais plutôt des pré-68ards, engagés pour la plupart dans l'UEC pour un communisme qui n'était pas le stalinisme, mais aussi, ça a été dit bien sûr et répété, contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, contre aussi, ça a été dit aussi, le choix en 65 du Parti communiste de ne pas présenter de candidat, mais d'appeler dès le premier tour pour un dénommé François Mitterrand, qui, fort de la mise en ballottage de Gaulle grâce aux voix du PC, a suivi ensuite, a mené d'ailleurs son OPA sur le Parti socialiste dans la foulée, enfin quelques années après. Alors à l'époque, avant 68, l'UNEF était ultra politisé, l'UEC était en crise, mais salutaire, ça a été dit aussi, je suis désolée de répéter, mais parce qu'au sein de l'UEC, la politique stalinienne était battue en brèche, et il en émergeait certainement des droitiers italiens, ça a été dit aussi,
mais aussi renforcer divers courants du trotskisme, du maoïsme, de l'anarchisme. Et l'aboutissement symbolique en avait certainement été, en mai 68, l'éjection de la cour de la Sorbonne du stand du Parti communiste, qui voilà, le méritait bien, d'ailleurs, par rapport à sa politique sur le, par rapport aux étudiants et aussi par rapport aux travailleurs, quand même, même si néanmoins, dans les entreprises, le Parti communiste s'accrochait avec un monopole qui ne s'embarrassait pas de démocratie ouvrière. Quelques anciens, anciennes de la fraction, alors à Voix ouvrière, qui a précédé Lutte ouvrière, dont Jacques Morand, Louis Gilbert, qui ne sont plus là, qui sont morts ces dernières années, on a partagé avec Alain cet avant 68. C'était nos débuts. Ensuite, après 68, notre proximité a vécu au rythme de relations entre la LCR et LO, à laquelle nous appartenions donc, et nous avons appartenu jusqu'au début du NPA où nous sommes entrés à sa fondation. Donc, nous avons donc parcouru plusieurs décennies d'un long chemin d'expériences séparées mais souvent communes. Campagne électorale de 69 pour Alain Krivine président, c'est le souvenir de prise de parole à la porte d'entreprise avec mégaphone pour appeler à voter pour lui. Campagne pour l'augmentation des salaires en valeur absolue, pas en pourcentage, parce qu'évidemment les directions syndicales proposaient du pourcentage, ce qui défavorisait les plus bas salaires. Ou campagne pour la gratuité des transports gratuits. Et nous avons aussi ensemble parcouru des kilomètres de manifestations, entre autres contre les guerres de l'impérialisme français en Afrique. Dans les années 70, il a été question, il y a eu des discussions assez poussées pour une fusion entre organisations et même un hebdomadaire commun. Dans les années 80, il y a eu des cellules communes, donc des rapprochements ont été tentés, testés entre les deux organisations, ces deux courants qui, pour nous, à l'époque, étaient les deux fractions, qui le demeureraient d'ailleurs, de deux fractions d'un même futur parti révolutionnaire. En 1999, Alain Krivine et Arlette Laguiller ont été élus députés européens avec Roselyne, qui en a parlé, Chantal et Harmonie, et à la suite d'une campagne LO-LCR qui avait ramené 5,18% des voix. Donc une longue histoire, donc, enfin oui, de trajectoire parallèle mais aussi convergente, du fait bien sûr de divergences politiques, mais dont les militants et militantes se sont mutuellement nourris et enrichis. Pour terminer sur une dernière petite note plus personnelle, c'est grâce à Alain, il y a maintenant une dizaine d'années, que quelques vieux de la fraction dont j'étais avons pu prendre contact à Saint-Pétersbourg avec des camarades du mouvement socialiste russe dont nous avons entendu un copain parler. Alors j'avais demandé à Alain, puisqu'il a son carnet d'adresses, s'il aurait des coordonnées à nous donner. Il en avait, ce qui nous a permis de ne pas seulement arpenter les quais de la Neva ou les galeries de l'Ermitage, mais de passer quelques soirées, nombreuses d'ailleurs, avec saucissons, bière et vodka, avec de jeunes trotskistes russes qui nous ont, entre autres, et ça semble être une de leurs préoccupations, assaillis de questions, effectivement, sur mai 68. Alors ces relations, quelques relations subsistaient, dont j'ai toujours informé Alain, et quand nous nous croisions ces toutes dernières années, il ne manquait jamais de demander « Et alors, ils vont comment, les camarades russes ?» Et il concluait, des quelques mots que je lui en disais, « Хорошо » dans le russe qu'il avait, je crois, appris au lycée. Donc, pour nous, toutes et tous, il est et restera un exemple de longue vie militante. Bonjour à toutes les camarades et tous les camarades. C'est un peu émouvant de prendre la parole pour se remémorer communément Alain, le militant révolutionnaire, et puis aussi Alain l'homme. En tout cas, pour des très anciens comme moi, quand nous avons quitté le Parti communiste, ce qui est mon cas, et que nous voulions rester communistes, c'est avec Alain que les premières discussions ont eu lieu, et on a découvert aussi la personne, et en politique, la personne, ça compte. Il nous donnait à entendre
que les révolutionnaires, ce n'étaient pas des gens désincarnés, certes, des professionnels de la révolution, mais qui n'étaient pas désincarnés et qui étaient aussi capables de beaucoup de souplesse pour comprendre les contextes et pour comprendre les situations. Et en ce qui concerne nos affaires en Corse, alors que peu d'organisations politiques prenaient la question nationale à bras le corps, la LCR et Alain dans la LCR, et je veux aussi dire d'autres camarades, hein, évidemment, se sont positionnés d'abord en défense des prisonniers politiques, permettant aussi aux organisations, y compris clandestines de l'époque, de pouvoir avoir des productions de documents et d'aider à lutter contre la répression qui, pour mémoire, il y a eu quand même quelques milliers d'arrestations, d'emprisonnements, etc. Et Alain a toujours tenu la ligne, y compris à l'interne, quand beaucoup de camarades étaient moins convaincus de l'affaire. Mais la justesse de son propos était qu'il y avait une question nationale et qu'il maintenait le cap sur cette question-là. Et puis, je me souviens, en ce qui me concerne Alain, lorsque nous sommes partis avec des camarades dans les brigades de solidarité avec la révolution sandiniste, eh bien, il y avait un grand débat hein, qui animait tout le monde, qui était savoir comment on pouvait caractériser cette révolution sandiniste. Et on a arrivé à des conclusions, hein, de gouvernement ouvrier et paysan, comme il se disait à l'époque, alors que certains sectaires ne voulaient voir chez les sandinistes qu'une équipe de petits bourgeois incapables de mener les choses à bout. Alors évidemment, quand on parle de ça aujourd'hui, avec ce qui se passe, les choses ont certaines résonances, mais à l'époque, dans le débat, voilà, donc nous étions ensemble dans l'avion qui nous menait à Managua, après des péripéties sans nom, et on a retenu l'humour aussi, puisque, bon, on avait une panne d'avion, et il nous a rassurés avec l'humour qui était le sien, en nous disant que, de toute façon, si on se crachait, on allait finir au paradis du socialisme réel. Voilà, petite anecdote en passant. Voilà. Nous, les camarades de la Manque, eh bien, oui, quand ils venaient en Corse pour se reposer, ils prenaient toujours un temps pour venir sur ces vacances, toujours un temps très attentif à la situation, très attentif à ce que l'on pouvait dire, et très attentif aussi au fait que, petite organisation, ils connaissaient bien ça, eh bien, c'était pas tous les jours évident, mais il y était attentif. Et encore une fois, donc voilà, c'est ce que nous retenons, nous, d'un engagement permanent, hein, alors que beaucoup de mai 68 ont fini dans les fosses sceptiques du libéralisme, du social-libéralisme. Ça n'a pas été son cas, lui, comme d'autres aussi, hein, que j'ai cités. Voilà, donc à tous et à toutes, passez un bon moment, et surtout que soit retenue, à notre sens, cette dimension politique de la personne. Et la vie continue. Maintenant, on va donner la parole à Gaëlle de l'Union communiste libertaire pour une intervention peut-être rouge et noire sur Alain Krivine. Bonsoir à toutes et tous. Alors, intervention rouge et noire, oui, mais aussi un peu perso, ça a été compliqué d'écrire cette interve, puisque je suis de Saint-Denis, Alain, je le connaissais aussi, donc c'est pas seulement une intervention de l'Union communiste libertaire, mais aussi de moi et de quelques militants et militantes hein, de l'UCL qui sommes passés aussi par la Ligue ou par le NPA et où nous avons aussi eu l'occasion de croiser Alain et de pouvoir discuter avec lui. Déjà, ce qu'on voulait dire, c'est que l'Union communiste libertaire tient à apporter son soutien fraternel aux camarades du NPA ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyé et ont milité avec lui depuis des décennies. Malgré les désaccords politiques, je ne vais pas vous faire la liste, hein, je pense que vous avez eu vos clos pour aujourd'hui. Nos différentes organisations successives se sont souvent croisées et militées dans les mêmes cadres.
des camarades qui militent encore à l'UCL et qui étaient dans les années 70 à l'ORA, l'organisation révolutionnaire anarchiste, nous disaient à quel point ils avaient pu tisser aussi des liens avec les camarades de la Ligue, en particulier avec Alain, quand il venait en renfort du service d'ordre de la Ligue durant diverses batailles du début des années 70, et en particulier sur les mobilisations antifascistes. Nous avons croisé Alain dans les grandes mobilisations altermondialistes, dans les manifestations antifascistes, antiracistes ou encore LGBT, et plus globalement dans toutes les manifs du mouvement social. Contrairement à d'autres, Alain n'a jamais lâché ce combat. Il a continué inlassablement à diffuser les idées révolutionnaires, du plus petit au plus grand auditoire. Nous sommes nombreux et nombreuses à l'avoir croisé dans les allées de la fête de l'UMA, refusant de se reposer, restant sous un soleil de plomb, parce que des fois, à la fête de l'UMA, il y a du soleil, enthousiaste devant l'accueil que réservait le public, dont on peut penser qu'il n'était quand même pas d'emblée acquis aux idées trotskistes. Des souvenirs de Saint-Denis aussi, où nous diffons le dimanche au même endroit, en plein cœur du marché populaire, avant d'aller boire un coup toutes ensemble, militantes du NPA et militants et militantes de l'UCL. Des moments où Alain était souvent en retrait, à l'écoute, refusant de jouer le vieux sage et toujours dans une attitude bienveillante. Souvenir également de la votation citoyenne contre la privatisation de la Poste en 2009. Nous y avons tenu avec Alain ensemble la table de votation devant le bureau de poste de la rue de la République, qui est la rue piétonne de la ville et une rue extrêmement populaire. Et je me souviens encore de l'émotion d'Alain quand des personnes nous disaient qu'elles votaient pour la première fois en France. Elles demandaient « Mais est-ce qu'on peut voter ?» Parce que moi, je n'ai pas le droit de vote. Et il leur disait « Mais vous recevez du courrier ?» Les gens disaient « Oui ». Il fait « Mais c'est, vous pouvez voter, c'est à vous la Poste aussi, c'est à nous tous ». Et des gens qui votaient pour la première fois. Et je me souviens qu'Alain était vraiment très, très ému et qui me regardait en disant « Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose ». Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent, souvent entendu de sa bouche. Quand il allait chercher les gens un par un, que les gens écoutaient, discutaient, quand il voyait dans les allées de la fête de l'UMA, les gens s'arrêtaient au stand du NPA, écouter les interventions d'Olivier ou de Philippe, et il disait « Ah ouais, là, il se passe vraiment quelque chose, hein. ça part hein. ». Et ben, du coup, je crois que ça a déjà été dit plein de fois cet après-midi, mais ouais, ça donne aussi du baume au cœur et l'envie d'y croire, même pour les camarades hein, qui n'étaient pas à la Ligue ou qui ne sont pas au NPA, mais qui sont nos frères et nos sœurs de lutte. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, que nous, on garde en tant qu'Union communiste libertaire, c'est cette certitude que voilà, pas à pas, pierre à pierre, on change les choses et que, quelles que soient nos divergences politiques, nos divergences stratégiques, que demain, comme hier et avant-hier, eh ben, on va continuer de se retrouver dans la rue, dans les luttes, aux côtés des opprimés, pour gagner jusqu'à la victoire, toutes ensemble. Alors, on nous a demandé de lire un message, c'est avec un très grand plaisir qu'on le fait, parce que c'est le message d'un très grand monsieur qui nous est adressé par Ken Loach. Alain a été une figure centrale de la politique française depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun, un militant syndical de l'industrie automobile britannique, Alan Sernett. Alain et moi partageons la même tradition politique et les mêmes principes fondamentaux, que la société est fondée sur le conflit irréconciliable entre deux classes opposées, que seule la classe ouvrière organisée peut apporter le changement et qu'une direction résolue et de principe est nécessaire pour y parvenir. Alain est devenu un bon ami, dont le jugement était toujours fiable. Si l'on me demandait de soutenir une campagne ou un groupe politique en France, c'est à Alain que je demandais conseil. C'est par l'intermédiaire d'Alain que j'ai rencontré Olivier Besancenot. Et cela a été un grand plaisir. Lorsqu'un film sortait à Paris, Alain, Olivier et moi partagions un café et mettions le monde à plat. Je me réjouis de continuer à soutenir Olivier et le NPA. Le besoin d'une direction socialiste de principe devient de plus en plus nécessaire alors que nous sommes confrontés à des crises sur tous les fronts. En tant qu'ami, Alain était loyal et généreux de son temps et de son soutien, un grand homme qui laisse un grand héritage.
On continue sur l'internationalisme avec un camarade, Raimé Pastor, qui est parmi nous, qui est présent, qui est membre d'Anticapitalistas de l'État espagnol. Et c'est une situation que pendant des années, Alain a suivi de très près dans les différentes organisations. Merci. Cher ami, cher camarade, depuis 1968, Alain est devenu pour ma génération, mais aussi pour les successives générations politiques de notre courant, un symbole et un exemple. Un symbole de mai 68, mais aussi de la persévérance dans la lutte contre le capitalisme, dans la lutte pour transformer le monde et changer la vie. Il a été aussi pour nous un exemple d'internationalisme militant, comme il l'a montré dans notre cas, avec sa pleine solidarité avec notre combat contre la dictature franquiste. Et il a payé cela en étant arrêté et expulsé lorsqu'il est venu en octobre 1976, comme il rappelle dans son autobiographie, accusé par la police franquiste d'avoir participé à un meeting pour diffuser, entre guillemets, les tactiques révolutionnaires de mai 1968 à Paris et une nouvelle stratégie de mobilisation des masses étudiantes. Cela a été un titre clé dans les journaux de l'Espagne. Il a participé aussi après à de nombreuses fois à des meetings, des activités, des contre-sommets, par exemple à Barcelone, mais aussi à Séville en 2002. Et après, dans beaucoup d'activités, le dernier meeting qu'on a partagé avec lui a été à Madrid, en hommage à notre cher ami et camarade Daniel Ben Saïd en 2012. Comme Daniel, il a été aussi un exemple pour la nouvelle génération qui est apparue surtout dans le cadre du mouvement intermondialisation au début du XXIe siècle. Pour cette nouvelle génération, Alain partageait justement ce rôle avec Daniel, dont par exemple François Sabado parlait. Daniel, il a influencé beaucoup cette nouvelle génération, mais aussi Alain a représenté la nécessité de construire en partie une organisation politique révolutionnaire. C'est pourquoi il a été aussi reconnu comme quelqu'un qui était toujours au service d'un parti radical et ouvert et aussi au service des anciens mouvements sociaux, mais aussi des mouvements sociaux toujours accompagnés de sa sympathie personnelle, de sa disposition militante et surtout de son optimisme qui rappelait pour nous, par exemple, la figure aussi d'Ernest Mandel. C'est pourquoi nous continuerons à partager avec lui et avec tous les gens qui ont partagé cet espoir de toute une génération et les successives générations après, et les droits, comme il écrit aussi à la fin de son livre, les droits à réapprendre à rêver d'une société plus juste où les critères ne seront plus les cotations en bourse, mais la satisfaction des besoins que la population aurait démocratiquement décidé. Seuls les conservateurs ne rêvent pas. Nous, pour changer le monde, nous avons besoin du rêve pour lutter ensemble, tous ensemble. Il écrivait cela et nous continuons à rêver pour changer le monde, transformer la vie aussi. Merci. Alors maintenant, nous sommes très contents de passer la parole à Harlem Belhadj, militante féministe et militante de la 4e internationale en Tunisie. Parler d'Alain au passé semble un peu bizarre avec tout ce qu'on lui connaît comme amour de la vie et comme générosité, comme vivacité, comme capacité d'être avec les autres. Et donc, effectivement, ce soir, peut-être on parlera de sa vie d'Alain dans le passé, mais son combat, effectivement, continuera, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'Alain, sinon que...
Il a accompagné nos luttes également en Tunisie, beaucoup de camarades l'ont mentionné, mais en Tunisie également, il était avec nous au moment, dans les moments difficiles comme dans les moments où, où le rêve révolutionnaire était tout près. Dans les moments difficiles, au cours de la répression, Alain était là, au cours des arrestations, au cours de la répression, donc il était sur place même, il est venu une fois pour... En tant que député européen, tout à l'heure, la camarade parlait de son rôle en tant que député. Il s'embêtait, pour ne pas dire un autre mot, au Parlement. Il est venu en Tunisie pour montrer sa solidarité parce qu'en tant que député européen, il pouvait servir à quelque chose. Il a assisté et sa présence était d'une grande utilité. Mais déjà avant, donc au cours de la 92, il y a eu une vague de répression. Et je suis venue à Paris à ce moment-là, j'étais de passage, et il a été là pour mobiliser, et avec son carnet d'adresse, tout le monde en a parlé, donc on a été à la FIDH, dans les collectifs maghrébins, il connaissait tout le monde, hein, les Marocains, les Tunisiens, il avait un carnet d'adresse très, 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 très riche, mais je tiens à dire quelque chose d'Alain à ce moment-là, il ne s'est pas limité à m'emmener voir ces gens-là pour chercher la solidarité. Mais il m'a dit, bon, j'étais sur la liste de ceux qui pouvaient être arrêtés, et j'allais rentrer. Il m'a dit, non, avant de rentrer, peut-être, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je vais te faire visiter Paris. Et c'est comme ça. Donc, j'ai eu le droit à une visite de Paris, du quartier latin. Mais mai 68, pour moi, c'était des places et des endroits. On était dans le Marais également. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Alain, la période difficile. Mais quand il y avait également la vague révolutionnaire en 2011, l'étincelle des révolutions arabes qui ont commencé en 2011 en Tunisie, Alain était particulièrement intéressé, évidemment. Et discuter avec lui, discuter de l'islam politique, discuter des regroupements de gauche, discuter des stratégies, discuter de si on pouvait parler d'un programme de transition ou pas, discuter était quelque chose d'extrêmement important. Mais Alain n'était jamais en situation de donneur de leçons. Et puis, à chaque fois qu'il s'autorisait de donner un avis, il est très rapidement le reprenait, mais très rapidement pour dire non, mais soyez sûr, c'est pas. L'anticolonialiste qu'il était vraiment que par moment, avec son internationalisme qui lui autorisait pleinement la possibilité d'émettre des avis, mais il était là à aller très doucement au niveau des propositions. Donc, franchement, donc, son humour et sa dérision, donc son engagement, son abnégation, mais aussi ses fermes positions, mais à la fois, il était très ferme, mais très tendre au niveau des propos. C'est-à-dire, même s'il avançait un avis sur lequel on n'était pas d'accord du tout, il avait la manière de le dire. Il y avait le maniement des mots, la facilité des répliques. Il était un solidaire, donc un internationaliste solidaire. Et à entendre tous les camarades ici évoquer sa solidarité et son internationalisme, on aurait dit il a vécu plusieurs vies, Alain. Il n'a pas eu une seule vie, beaucoup de vies pour militer. Certainement, il y aura de la lutte après son départ et continuons la lutte. Merci. Donc je vous rassure, on arrive à la fin. D'abord, c'est ça, un plateau repas plutôt. Ouais. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Vous êtes la fanbase d'Alain. Je voudrais terminer juste en citant Alain lui-même, ce qu'il a écrit, puisqu'Alain c'était aussi une plume. Voilà. Je n'ai jamais considéré mon activité politique comme une profession, mais comme une nécessité. Se battre pour une autre société, c'est aussi être capable, dans la lutte quotidienne, de se fixer des objectifs à la mesure de ses forces et ne jamais renoncer, jamais, même dans les périodes les plus difficiles. Chaque jour apporte alors son lot de succès et son lot d'échecs à des échelles totalement différentes. Un meeting réussi, un sans-papier régularisé, une manifestation ratée, un congrès qui se déroule bien, chose rare, un succès électoral, ou l'échec d'une grève, une nouvelle section créée dans une ville, ça, il y tenait par-dessus tout, le massacre de Palestiniens,
L'intervention américaine en Irak, un bombardement en Tchétchénie. Recul et distance sont nécessaires, mais ne doivent en aucun cas déboucher sur l'indifférence, la banalisation ou le cynisme. L'indifférence, la banalisation ou le cynisme, c'est ce que Alain avait en horreur. Ça, c'est un des extraits d'un livre qu'il a donc écrit qui s'appelle « Ça ne passera pas avec l'âge » que je vous conseille. C'est un des rares endroits, en réalité, où Alain se confie un peu sur ce qu'il a été, sur qui il a été, ce qu'il a construit, sa réflexion politique, son cheminement, ses doutes, ses espérances. C'est aussi un condensé de 50 ans d'histoire politique avec des meetings pleins à craquer, des réunions ratées, des manifestations olé olé, parfois avec le service d'ordre contre le fascisme, ici même à la mutualité, qu'on n'oublie pas, contre des guerres, celles d'Algérie, du Vietnam, la guerre américaine en Irak, chercher des connexions partout où c'est possible dans le monde, la rencontre avec Yasser Arafat, le soutien au Kanak dont on a parlé, la manifestation pour l'annulation de la dette du tiers-monde en 1989, j'en passe, et des meilleurs. Et puis le tout évidemment entrecoupé de petites anecdotes croustillantes dont quand même Alain avait le secret parce que c'était aussi sa marque de fabrique. Par exemple, nous qui UNPA aimons rappeler à quel point c'est compliqué d'avoir les parrainages pour les élections présidentielles, et c'était une nouvelle fois compliqué avec notre camarade Philippe Poutou qui est dans la salle cette année au moment de l'élection présidentielle. Alain, lui, revient sur le fait que c'était déjà compliqué dès 69, notamment dans le village de la Meuse, où deux camarades chargés d'aller chercher les signatures, les précieux sésames, s'arrêtent à 8h du matin dans un café avant de partir à la chasse aux signatures et entendent une personne, une femme, interpellant vertement son chien en lui disant « Krivine, assis, tais-toi ». Évidemment, les deux militants un peu interpellés cherchent à comprendre ce qui est la sombre raison qui peut pousser quelqu'un à appeler son chien Krivine. Et lui pose la question « Mais pourquoi vous appelez votre chien Krivine ?» La réponse, c'est « Mais parce qu'il gueule tout le temps ». Et Alain d'ajouter, évidemment, la campagne s'avérait un peu plus compliquée qu'on l'avait imaginé au départ. Donc allez-vous perdre dans ce livre. Ça sera aussi l'occasion de redécouvrir l'identité politique d'Alain, celle dont on aura bien besoin de s'inspirer dans la période à venir, qui va être une période complexe, on l'a bien compris, avec son internationalisme qu'il avait chevillé au corps, ce mot visiblement toujours si complexe à prononcer pour certains dans la gauche sociale et politique. Pour lui, c'était quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, que les frontières géographiques ne protègent rien, ni personne, pas même le mouvement ouvrier, et en tous les cas, ça ne protège pas du repli sur soi, et sûrement pas du racisme, de l'antifascisme aussi, à tous ceux qui pensaient qu'à un moment, l'histoire, paraît-il, nous parlait dans la nuque, bah là, c'est autrement que l'histoire nous convoque, elle nous convoque à être vigilants, à continuer, et à redresser aussi cette bannière de l'antifascisme, et d'un marxisme ouvert, non dogmatique, qui cherche perpétuellement à se réinventer. Je termine donc avec ces mots, qui est la conclusion de cet ouvrage. Au bout d'un demi-siècle de combats politiques, si je regarde dans le rétroviseur, plus que les échecs, les désillusions ou les occasions manquées, c'est la nécessité de perspectives révolutionnaires encore plus urgentes aujourd'hui qu'hier qui me saute aux yeux. Certains y verront l'acte de foi d'un indécrottable communiste révolutionnaire à jamais perdu dans ses rêves et ses utopies. Sans doute, mais je dois avouer que je ne suis ni aigri, ni blasé. L'accusation fréquemment entendue d'être un rêveur est pour moi comme un beau compliment. Pourquoi ne pas réapprendre à rêver ensemble d'une société plus juste, où les critères ne seraient plus les cotations en bourse, mais la satisfaction des besoins que la population enfin aurait décidé démocratiquement. Seuls les conservateurs ne rêvent pas. Pour changer le monde, nous avons besoin de rêves pour lutter ensemble, tous et toutes ensemble. Alain, nous continuerons ton combat. Merci à tous et à toutes.